Bienvenue à l'école des super-héros de Konoha. Je suis le directeur et... Être un super-héros, c'est montrer du respect. J'espère que cette année, il en restera au moins... un. Ok, c'est bon, fini de jouer! J'espère que vous êtes motivés! Parce que vous allez en chier! Voici mon professeur! Bonjour. Sachez qu'en tant que héros, vous serez toujours très médiatisé. Mon rôle est de vous apprendre à jouer avec la caméra et à toujours montrer votre meilleur profil. Bonjour, je suis Ronderku. J'apprécie que personne ne l'ait fait. Dans mon épreuve, je vais tester votre capacité à utiliser les armes légendaires. Ça va trancher. Je suis Inui Takumi. Je vais être votre prof de boss héroïque, de transformation et de trucs du style. Pourquoi j'ai pris ce boulot ? Bonjour, je suis votre prof de ténacité. Je vais tester votre capacité à supporter les coups et les blessures. Bonjour, je suis votre prof d'invocation. Et avec moi, il va falloir avoir des rythmes dans la peau. Très bien, la première épreuve est celle des boss héroïques. Elle a deux fonctions. Première fonction, ne pas se faire un claquage avant le combat. Deuxième fonction, pour imposer le respect auprès de la population et des ennemis. Et très bien, c'est à vous maintenant. Prêt et action! Alors bien, ouais pas terrible, le Blue Boy là, le Blue Boy du sort. Ouais pas mal Ténépro là, c'est cool. Très bien, maintenant il semble passer à la deuxième épreuve, celle de la transformation. La transformation est un moment important dans le combat contre les vilains. Non mais, c'est pas possible! C'est quoi ça? Et bien c'est pas gagné, vous n'avez pas du tout le niveau. Sauf toi, Shotenback. Bonjour, je suis le professeur Mammouth et je suis là pour vous apprendre à invoquer. Mais monsieur, comment nous y prendre? Mais imbécile, avec la tectonique. La tecto, quoi? La tectonique, c'est la base de tout! Vous croyez qu'il faut comment les chevaliers du Zodiac? À vous maintenant! Bravo d'avoir survécu jusqu'ici. Voici maintenant l'épreuve d'athénacité. La ténacité? Mais en quoi ça consiste? Voyons, ne me parle pas sur ce ton, petit con! Pardon, madame. La ténacité est la vertu numéro 1 des combattants. Regardez les chevaliers du Zodiac, c'est moi qui les ai formés. Les règles sont simples. Celui qui arrivera le plus près de moi aura la meilleure note. Ah bon, c'est tout? C'est facile comme épreuve. Imaginez que par le plus grand des hasards, je sois une princesse enlevée et qu'il faille venir me sauver. Et le professeur Ronderku jouera le rôle de mon ravisseur. Pouf, il n'arrive même pas au quatrième sens. Seiya m'aurait déjà sauvée depuis.
Ah, mais c'était toi! Ah, t'as eu la chance parce que j'étais sur le point de te botter le cul. Ouais, c'est ça. T'avais plutôt l'air mort de trouille. Répète un peu ça. Bon, arrête tes gamineries. Le but de cette dernière épreuve, c'est de retrouver le directeur de Konoha et... T'es con, genre je le sais pas, quoi. Non, mais c'est pour les spectateurs, crétins, sinon ils sont paumés. Ah, merde, mais c'est vrai qu'on n'a pas tourné scène raccord. Oui, donc celui qui retrouvera le directeur dans la forêt de la mort remportera la dernière épreuve de l'examen. J'ai gagné, espèce d'imbécile. Je ne suis pas caché. Je suis venu vous dire que l'épreuve était annulée. Mais pourquoi? Bande d'incapables. Vous ne sentez pas cette énergie maléfique? Non. Toi, tu es recalé. Tu ne mérites pas d'être un super-héros. Moi je la sens l'énergie, je la sens même super bien. Mais quel lèche-cul! Ah, laisse tomber, le professeur Athéna est déjà sur le coup, elle a trouvé avant nous. Espèce d'incapable! Toi aussi tu es recalé! C'est une traîtresse! Ça crève les yeux! En effet, directeur, vous méritez votre titre! Ce que vous voyez derrière moi est un champ d'énergie pour invoquer la porte des ténèbres! Tu veux ouvrir un passage vers quel monde? La Terre, bien sûr! Bah pourquoi la Terre? Pour retrouver, exterminer ces traîtres de chevaliers du Zodiac! Traîtres? Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ce qu'ils m'ont fait? Ce qu'ils m'ont fait? Déesse Athéna, courage! Voulez-vous que je leur raconte? Non, ça va aller, mon fidèle équipe, ça va aller. Il y a bien longtemps, lorsque j'étais dans le camp des gentils. Qu'est-ce qu'ils foutent? J'ai froid, moi, et en plus je m'ennuie. Oh putain, qu'est-ce que j'ai dégusté? Oh, j'ai mal. Ah, c'est chiant, cette série c'est toujours pareil, on se fait défoncer la rondelle. En plus, il fait froid. Maman, je veux ma maman. Ah non, il est encore mort. Ah, comme c'est triste. Mes chevaliers, écoutez-moi. Il faut utiliser votre 27e sens. Car grâce à lui, vous réussirez à vaincre vos adversaires et à tuer cette poufiasse de Hilda de Polaris. Ouais bah putain, moi je me casse, j'en ai un peu là, ouais, moi je démissionne. Alors j'ai eu l'idée de faire fondre la classe avec les flammes du Phénix. Oui, et qui m'a libéré? Et j'ai appris que Seyar sortait avec Hilda de Polaris et que les autres chevaliers avaient démissionné pour prendre des vacances sur Terre. Et vous voulez attaquer la Terre et tuer plein d'innocents juste pour ça? Juste pour ça? Petit rouquin à la con! C'était mes chevaliers à moi! Ils m'ont abandonné, ces misérables lâches! Ce sont tes restitutifs! Ces sales connards d'enculés de fils de pute de mes couilles que j'ai pas! Directeur? Directeur? Directeur! Mais vous dormez! Tu es recalé! Non mais ça c'est déjà fait. Tu es recalé pour l'année prochaine aussi! En effet, il faut les arrêter. Mais heureusement que je suis là. Rendez devant l'élite de Kono! On est perdu. Directeur, il s'est fait one shotter. Hey gars, tu peux encore chevalier du moineau.
Encore si Kaferi a eu un peu de retard, mais à présent, fini de jouer. Les humains sont là. Ha ha, trop tard. Vous avez mis 100 ans à vous présenter, et maintenant l'invocation est terminée. Ah bon? Ah putain, fais chier. Je savais bien qu'il aurait fallu prendre le bateau de 8h30. Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Massacre. La porte des ténèbres. Les sbires ont dû ouvrir encore un passage entre Otakupolis et la Terre. Oh, j'espère que les nouveaux super-héros ils sont bien entraînés pour y aller. Moi je sieste. Facile de retrouver ces lâches. Les habitants sont faibles. Je vais détruire toutes les villes jusqu'à ce que ces saloperies de chevaliers de Zodiac se montrent. Mais c'est quoi ça? Tu vas fermer ta putain de gueule! Finalement, ce sera peut-être plus dur que prévu. Qu'est-ce que c'est un méchant ça? Oui. Je suis un méchant. Et sache que j'écraserai tous ceux qui se dresseront sur ma route. Après tout, ça fait longtemps que j'ai pas boosté un sbire. Et je pense que tu peux faire l'affaire. Tu vas tout de suite arrêter tes fanfaronnades lorsque tu auras pris connaissance de la force des Uchiwa. T'as fort le bougre quand même. Bon, là, c'est complètement le bordel. Les portes des ténèbres sont protégées par un bouclier spécial. Elles sont quasiment indestructibles. Seul Chuchi Uchiwa peut le détruire avec le Jutsu l'échantaire. Mais ferme-la! Mais oui, je m'en souviens maintenant. Juju Uchiwa possède le pouvoir de détruire les portes des ténèbres grâce au Jutsu légendaire du Mangekyou Sharingan. Mais Athéna l'a hypnotisé grâce à l'illusion du phénix. Il n'acceptera pas de nous aider tant qu'il sera sous son emprise. Je vais le tuer. Pardon, déesse Athéna. C'était juste un échauffement, petit nuage. Je vais t'éclater. Les temps changent, Jet Raouli. Et oui, je t'ai reconnu. Je me disais bien que ton faciès m'était familier. Tu aurais mieux fait te tenir à l'écart des plans de la déesse Athéna, comme l'ont fait tes chers amis les bitomanes. Bon, à présent, je vais en finir avec toi. Tu m'as suffisamment fait perdre de temps. En finir avec moi? Attends, c'est moi qui en finis avec toi, petit nuage. Mais oui, je suis pas poli, car moi, c'est mal. Je suis là pour... S'il te plaît. J'en ai vu des méchants pathétiques, surtout depuis que je garde les DVD de la Fumbisoft. Mais des comme vous, là, vous atteignez vraiment les sommets, hein. Mais toi, tu devais arriver dans la scène d'après. Tu vas pourrir mon apparition, espèce de gros corse que tu es. Retourne bouffer ton fromage avec des vers sur la plaine de Cochonou. Non mais c'est la Gay Pride ou quoi? Ça a beau être des tarlous en collant, ils sont un petit peu nombreux. Une retraite sur Terre s'impose. Attends. Ah, mais diablerie, comment as-tu résisté à Katon? Eh bien, grâce à mon épée lootée sur Ragnaros, j'ai plus 4 en résiste-feu. Ah. Et maintenant, je t'achève. Et reviens ici, vilaine bête. Arrête de rouler.
ça fera l'affaire. Expelliarmus ! Tu vas payer par la souffrance toute l'humiliation que tu m'as faite subir. Mais c'est n'importe quoi ce film ! Fini de jouer, Jet Raouli. Mangekyo Sharingan ! L'époque où les gentils battaient les méchants est révolue. Non, tu devrais être mort. Je te l'ai dit, j'étais pas chaud, mais là maintenant, je vais t'achever. Mais non, c'est la technique du tutsu légendaire de l'école des scénaristes qui n'ont plus d'idées pour finir leur film. Elle est interdite, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Comment ça c'est interdit? J'ai tous les droits, moi. Oh, mais c'est impossible. Ah non, ça c'est ma réplique. Bon, ça va? T'es mort là, arrête un peu ton cinéma. Bienvenue au purgatoire des super-héros. Super-héros. Bah quoi, comment ça le purgatoire? J'ai même pas droit au paradis, moi? Tu t'es laissé manipuler par Athéna, et tu as servi le mal. Ah, ça va, c'est rien ça, à côté de tout ce que j'ai fait quand même. De toute façon, ton sort n'est pas encore réglé. Comme tout bon super-héros, il faut attendre un peu avant de savoir si les scénaristes ont besoin de te ressusciter. Ah bah ça va alors, ça veut dire que j'ai encore une chance. Ça va dépendre de l'originalité de ce film. Ouais, je vois. Mais sinon vous êtes qui? Dieu? Non, lui, il lui a botté le cul il y a bien longtemps. Celui qui se tient devant toi n'est autre que... Ah, finalement, t'es pas si costaud que ça, ce petit truc-là. Bon, allez, je vais retourner faire ma sieste, moi. Ah, mon Red Booster m'indique que Juju Uchiwa a été tué. Quoi? Juju Uchiwa a été tué? Mais on pourra plus jamais détruire la Porte des Ténèbres! Mais si, ne t'inquiète pas. Il suffit d'aller le chercher au purgatoire. Purgatoire? Mais on y va comment au purgatoire? C'est très simple. Bouge pas. Alors c'est ça le purgatoire? Ouais. Plutôt chiant comme endroit, pas vrai? Et t'es qui toi? Je suis... Fantôme. Fantôme, tu dis? Tu dois être un héros de série B, hein. J'en ai jamais entendu parler. Et t'es mort comment? Disons que... Je fais appel à la puissance des éthers, du cataclysme, de l'apocalypse et de l'armageddon. Que le requiem des trompettes de Jericho déclenche la superbe du jugement dernier pour que les pilotes de l'univers se referment. Disons que c'est une longue histoire. Dis-moi plutôt, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu chercher Juju Uchiwa pour qu'il m'aide à refermer la Porte des Ténèbres. Je vois. Dans ce cas... Va par là. Par là? Oui. Ah ok, merci. Bah c'est cool. Bah ciao. Bon, le code pour aller sur Terre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Depuis que le réseau des portes est passé sous Vista, ça plante tout le temps. Ma tenue. Non, qu'est-ce qui s'est passé? On est où? Je crois qu'on s'est fait foudroyer et on est arrivé là. Vous devriez vous y connaître en scénario de série B chez Amapix. C'est une pirouette scénaristique.
on est dans une autre dimension. Malédiction, j'étais séparé de la Théa Setena. Je dois tous vous buter, pente mécréant, et je pourrai la rejoindre après. Non, dans cette dimension, c'est nous les méchants. De toute façon, le méchant ici, c'est moi. Je prends tous avec une main. On est où là? Vous êtes à Geekland. Ah, je me disais déjà, c'était un peu bizarre. Mais dis-moi, comment on fait pour entrer à Otaku Police? Eh bien, c'est simple, tu composes le code sur la porte des ténèbres. Le code, hein? Le code. On ne connaît pas le code, hein? Eh bien, tu te démerdes, sinon je t'électrifie la gueule. Ah, d'accord. Iki a été téléporté, mais il me reste encore des grands méchants. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oui, allô, Poubellator, c'est Athéna. Voilà, j'aurais besoin d'aide. Est-ce que tu serais dispo? Vous allez me foutre la paix dorénavant, j'ai la retraite! Merde! Quel goujat celui-là! Qu'on foute la paix! Si, je sais. Je vais appeler Lidan. Quoi? Allô, Lidan, c'est Athéna. J'aurais besoin d'aide pour rosser quelques méchants. Je ne suis pas prêt! Oh, je joue pareil avec lui. Youhou, mon Lidou, tu viens me frotter le dos? J'arrive, Julio. Pour toi, je serai toujours prêt. Il me reste encore une alternative. Je vais appeler le Dr. Bad. Il y a toujours quelque chose en stock. Oui, allô, c'est Athéna. Salut, Athéna. Bien écoute, j'aurais besoin d'un grand méchant pour pouvoir m'aider à tuer des super-héros en collant en super-collant. Pour ça, je t'envoie ce sort. Je viens de le réparer. Oh, merci beaucoup, tu es un amour badouné. Salut. Déjà? Ça, c'est du service rapide. Bon, allez, tu sais ce qu'il te reste à faire, t'as du pain sur la planche. Allez, les Newman. De toute façon, on le défonce à chaque épisode. On n'est pas dans Newman 6, là. J'ai toutes mes chances de vous battre. Allons-y. Juju ou Chihuahua? Ah, et cool! Ramène-toi, on rentre! Hey, dépêche-toi, faut que tu m'aides à refermer la porte des ténèbres. Et pas si vite. T'es qui d'abord? Comment tu veux sortir du purgatoire des super-héros? Je suis John Black. Et pour le reste, bah, j'y ai pas encore pensé. Pour sortir, il n'y a pas d'anti-solution. Unsuspecting stranger had better know the truth of wrong and right. Non, 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 non. Lui, il a botté le cul à Dieu. Lui, c'est... Chuck Norris. Chuck Norris? Eh oui, Dieu. Chuck Norris. Et ton père. Ah ouais? Bah en fait, maintenant qu'il le dit, il y a vraiment de famille. Il y a longtemps, Chuck Norris est né de son plein gré dans une maison en randonne bois, qu'il avait lui-même construite lorsqu'il était bûcheron dans le Sahara. Il vivait paisiblement, mais un jour, le roi de l'Atlantide a tué les parents de Chuck Norris et a déclaré que son peuple dominerait le monde. Chuck Norris est allé vérifier. Dieu a alors décidé de stopper Chuck Norris, qu'il jugeait trop expéditif à son goût. Il a envoyé son fils, Jésus. Mais Jésus a marché sur l'eau, et Chuck Norris a marché sur Jésus, puis son père. Trop cool, mais tu peux nous renvoyer dans le monde des vivants alors? Chuck Norris ne redonne pas la vie, il la retire avec son coup de pied circulaire. Chuck Norris doit aller tourner un film avec Bruce Lee. Il vous laisse,
Il paraît qu'il y aura une scène dans laquelle Chuck Norris sera battu par Bruce Lee. C'est l'effet spécial le plus cher de l'histoire du cinéma. Non, là, sans mauvais jeu de mots, je crois que c'est bon. Je ne te le fais pas dire, Juju Uchiwa. Il a été décidé que tu aurais brûlé en enfer. Et je suis venu te chercher. Your socks off. Fuck! 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 The demon code prevents me from declining a rock-off challenge. What are your terms? What's the catch? If we win, you must take your sorry ass back to hell, and also you will have to pay your rent. And what if I win? Si tu gagnes, tu pourras ramener Juju en enfer. Hein? Crois-moi, Juju, c'est le seul moyen. Fine. Let the rock off begin! Because he's not a mortal man. God damn it, Cage! He gonna make you his sex slave. You're gonna gargle mayonnaise. No. Unless we bust a massive monster mamma jam. Dude, we've been through so much shit. Deactivated lasers with my dick. Now it's time to blow this fucker down. Come on, Cage, now it's time to blow doors down. I hear your jibbles, now it's time to blow doors down. Light up the stage, cause it's time for a showdown. We'll bend you over, then we'll take it to Brown Town. Now we got to blow this fucking town. He's gonna rape me if we do not blow doors down. Tu crois qu'on est revenu en Tacopolis? Bah, en théorie, oui. Vous êtes dans la forêt de Terrocar, en Outre-Terre, à No Life Police. Quoi? En Outre-Terre, à No Life Police? Mais Juju, on est pas dans la bonne dimension! Pas de panique, John. Je connais le code d'accès pour aller au Tacopolis. Faut juste qu'on trouve une porte des ténèbres.
Vous auriez pas vu Julio ? Qui ça ? Julio ? Ah oui, c'est mon petit rond doudou tout poilu. Il a été enlevé par un certain Inidan. Bon écoute, comment dire ça sans paraître désagréable ? C'est qu'on a des problèmes un petit peu plus importants que tes problèmes de petits copains. Mais dis-moi, toi t'as vraiment l'air d'être un sacré connard. Hein. Quoi ? Répète un peu ça, Roméo ? Qui t'a dit mon nom ? Ah parce que tu t'appelles vraiment Roméo ? Mais le vieux trinqué quoi ! Et alors ? T'en veux toi aussi ? Messieurs là, faudrait peut-être pas s'égarer. Hé, la Tarlouse, tu savais pas où elle est, la porte des ténèbres par hasard ? Oui, bien sûr que je sais où elle est. C'est mon père, le seigneur Elrondel, qui l'a construite. Bon mais elle est où ? Accouche maintenant ! Si tu crois que je vais te le dire, grosse merde poilue. Bon les amis, trêve de plaisanteries scabreuses. Roméo, si on t'aide à détruire Illidan, pourras-tu nous montrer la porte des ténèbres ? Ouais, ça me va. Marché conclu. Ah bah parfait. Bon, j'ai lancé une annonce sur le canal de recherche de groupe. Bonjour, je suis Langlois, un prêtre ombre spéil pour vous servir. Ah mon dieu, il est roux ! Ah tu fais du dégât et tu heal en même temps ? Ouais, je suis trop en roxor et en plus je fais de la muscu. Oh les gars ! J'aime pas la def de ça là ! Paraît que vous cherchez quelqu'un pour faire une groupe contre Trinidad ? Bon, je vais faire le tank mais j'ai pas de boubou. T'inquiète pas, je te heal. Et moi je suis Rogue. Quoi ? Le prof d'Harry Potter ? Non, ça veut dire que je suis une bolaise. T'es pas d'ici ou quoi ? Ah ben, en fait moi aussi je suis un Rogue. Et moi, je suis Hunt. Tu es chasseur ? Elle est où ton arme ? Es-tu capable de DPS ? D'ailleurs, si t'as besoin d'un pet, je suis là. C'est les gars, je suis un Wawa Fury en tissu. Ah parce que toi t'es un Wawa ? Pauvre merde ! Ah mais t'avais pas considéré que t'étais spéfufu aussi ? Salut, je suis le photographe ! Bon bah écoutez, au point où on en est, un de plus un de moins... Ouais, on fait appel à des héros et à des méchants de série B, faut pas s'attendre à grand chose hein. Oui, c'est bon, le délai est écoulé. Je vais pouvoir fuir sur Terre. Bravo, les humains. Nous avons une fois encore triomphé. Célébrons cela avec la danse de la victoire. Dépêchez-vous, Athéna est sur Terre, elle a passé la porte avant qu'on la détruise. Maître, je suis si content que vous ayez retrouvé. Je suis sûr que c'est grâce à mon GPS Kiniko que j'ai dans mon masque. Tout à fait, Sedman, pas une minute à perdre. Un portail qui ouvre vers la Terre, intéressant. Et une certaine Athéna qui voudrait la détruire. Allô, Kazuga ? J'espère que tu es disponible. Nous avons une terre à détruire. On va enfin rentrer à la maison. Finalement, les gars, je vais peut-être y aller. Hein, c'est... Monsieur Gordon ? Oui. Vous êtes le vrai. Je peux avoir un autographe, s'il vous plaît ? Monsieur Gordon ! Oui. Ah ben je crois que je vais me plaire ici moi. Wouhouhouhou ! Imbécile ! Quoi que vous fassiez, il est trop tard à présent. Illidan est sur le point de sortir d'Outre-Terre. Cette planète est condamnée. Illidan ? Qui sait ça encore ? Impuissant démon. Il a tué plus de 1000 no-life à ce jour. Quoi ? Il n'y a pas une seconde à perdre ! Bon, en première vue, on doit être assez, donc, ben, c'est parti ! Ouais ! Vous n'êtes pas prêts ! Oh putain, on a aggro Illidan ! C'est ça, Illidan ? Il est tout skinch ! Je suis peut-être aveugle, mais je ne suis pas sourd ! Illidan, va t'asseoir sur Adal ! Mais d'abord, tu me rends mon Julio ! Jamais !
car l'aime. Je l'aime. Tu mens, PD. Julieu a dit qu'il préférait mes beaux cheveux longs et soyeux. Ah, c'est vrai qu'il a de beaux cheveux quand même, hein. En plus, il est à fond sur mes tatouages. Il m'a dit que ça me donnait l'air de divertisser. Non, Julio. T'inquiète pas, Mino. L'amour aveugle, et en plus, tu es plus beau que lui. C'est vrai? Non. Arrêtez tout de suite ce genre de blague. Je ne suis pas aveugle. Ah, mais ça va, quoi, arrête de mentir. Putain, en plus, ça crève les yeux. Je vois, vous osez pénétrer dans mon royaume, vous foutre de ma gueule, vous n'êtes pas prêts. Ah, maintenant, ça fout, les gars, on envoie le tank maintenant. Le palouf a raison. John, allez, il faut agrouiller Lidan. Bon, ok, j'y vais, mais vous avez intérêt à healer derrière. T'en fais pas. Vous n'aurez pas le temps de voir mon attaque arriver. Subissez la furie de Illidan Urdera. Qui va s'amuser pour aller le looter. Roméo, on a tenu notre engagement. Elle est où la porte des ténèbres? Ouais, elle est là-bas, au nord. Au nord. Bon, t'as entendu? Allez, on y va. Bon, mais on y va. Merci et à plus. Merci, hein. Les gars, ciao. Ouais, plus. Ouais. Et oui, contrairement à mes chevaliers, Kasuga et Zephyr sont efficaces, ça vous épate. Que faire? J'ai beau être fort et incroyablement sexy. Seul, je ne pourrais venir à bout de deux super vilains et d'une déesse. Tu sous-estimes les forces du bien, Flore Chapa. En attendant, j'ai pas de brioche, espèce de gros moche. Quoi? Un bitomane ici? Il me semblait que vous avez tous pris leur retraite. Alors les gars, prêts à se faire rosser? Qu'importe le nombre, moutratez-les. Oh putain, le Chip and Dale, qu'est-ce qu'il m'a mis? Le quoi? Le mec avec un pantalon en cuir. Ah ok, d'accord. C'est tout ce que tu es capable de faire. Tenez bon, mes chevaliers. Allez, oui, allez-y. Oui, voilà, une droite, une gauche, oui, c'est ça. Il faut unir nos forces. Oui. Quoi? Mais ils vont unir leurs forces? Mais c'est impossible. Mais où est-il passé? Reste sur tes gardes. Je sens sa présence. Oh oui, tu vas la sentir, ma présence. 2000 ans de souffrance. Non, comment avez-vous pu abîmer mes beaux gardes du corps? Je vais devoir repousser la sortie de mon calendrier, les dieux de l'Olympe. Vous me le paierez. Maître, je suis si fier de vous, vous êtes trop fort. Ah, je te remercie, mon petit Setman. Mais vois-tu, un héros, toi, t'effrontre son rêve jusqu'au bout. Et s'il a pas de rêve, ben, il t'effrontre celui des autres. Bravo, les amis. Vous avez retenu la première leçon des super-héros. Savoir encaisser. Sur ce, la mouche, Kurt Cobain, Power Rangers, je vous laisse. À toi de jouer, Juju. Il est temps de détruire la porte des ténèbres. Très bien. Thank you.
Mangekyou Sharingan. Ah bravo mon petit Juju, voilà une bonne chose de faite en tout cas. Ouais. Par contre, je pensais que t'allais m'aider avec ton épée, elle sert à quoi? À rien. C'est marrant, c'est... cherche pas, c'est pour la suite du film. D'accord. Bon, on a fini, on parle au KFC? Ah ouais, ça c'est une idée, ça. C'est une bonne idée, hein. C'est très beau. Monsieur, vous rentrez beau. Allez, viens. Le Vortex! Comment je vais faire pour retourner à Otakupolis? C'est une catastrophe! Ouais, seuls les super-héros peuvent passer librement d'un monde à l'autre. Ah, vieille peau! Tu es bloqué sur Terre à jamais! Petit prétentieux, je me vengerai. Mais pour le moment, une retraite stratégique s'impose. Heureusement que j'ai ma résidence secondaire en Grèce. Et oui, fuis, ne te reste plus que ça! Maintenant que le vortex est fermé, tu n'as plus de pouvoir pour ouvrir la porte des ténèbres! Allons voir, mes yeux, vieille peau!「たとえもしない苦きさいだ」